Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Authentiques Auto. Aujourd'hui, nous sommes déjà au cinquième et dernier épisode de cette série d'exploration des parkings souterrains monégasques. Je voulais vous remercier parce que cette série a eu beaucoup de succès, elle vous a beaucoup plu visiblement. Donc vraiment, merci. J'en profite pour vous dire que les explorations de parking, ce n'est pas terminé pour autant. Donc restez connectés parce qu'il va y avoir une nouvelle série qui va débuter très bientôt. Enfin, dernière chose, on est bientôt 5000 abonnés sur la chaîne. Donc merci aussi beaucoup pour votre soutien, pour tout ça. C'est que le début de l'aventure et je vais faire une FAQ pour fêter ces 5000 abonnés. Donc si vous voulez me poser des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, ce sera avec plaisir. Duo de 4x4. Alors le Toyota RAV4, vous le connaissez déjà dans une précédente vidéo. Par contre, ce petit Suzuki Santana SJ qui est dans l'état opposé auquel on s'attendrait à trouver un baroudeur. Il est très mignon, je l'aime beaucoup, noir avec une décoration rouge sur le côté comme ça. Très très beau modèle. Une des rares voitures en plaque française de cette série, plaque d'origine qui plus est, Rover 214, noir avec son liseré rouge, bien qu'elle ne soit pas en très bel état. Je pense que ce vieux break 300 TD W124 n'est pas prêt de bouger puisque vous le voyez, il n'a pas d'immatriculation. Pour autant, il est en bon état, il faut le reconnaître, il n'est pas totalement abandonné, il est en plutôt bon état. On est perturbé par une Ferrari F430 qui vient de passer dehors. Enfin bref, vous le voyez, c'est un break de charme, indestructible bien entendu. Ici, on a un autocollant de 2023 et puis SAMGF, sa concession d'époque. Incroyable Mercedes 190 2 litres 6, donc c'est le 6 cylindres sur celle-ci. Vous voyez les bleus, phare jaune, on a les jantes en alliage ici, un intérieur en MBTEX beige du plus bel effet, et puis un aileron supplémentaire. Vous voyez 190E, 2 litres 6 avec son autocollant monégasque, une pièce de choix dans ce parking. Une superbe 635 CSI avec ses liserés sur le côté, et puis en bas, le fameux nez de requin, les jantes alliage et pour couronner le tout, un autocollant d'autoroute suisse de 1992. Ça, c'est du spot. Et hop. Les connaisseurs sauront sûrement me dire s'il s'agit d'une vraie Auburn ou bien d'une réplique. Personnellement, je pencherai pour une réplique étant donné qu'on est dans un parking public. Quoi qu'il en soit, ça reste plutôt impressionnant. Mais derrière, ce qui nous intéresse, c'est cette petite Cinquecento Young, une version extrêmement dépouillée. On peut voir ça avec ses jantes tôle et puis ses pare-chocs plastiques. Vous savez comme j'aime ça. Joli trio, alors vous connaissez cette 405 au milieu dans un précédent épisode. Et on est revenu parce que là on a une 206cc, la Auburn et puis aussi une très très belle Honda Civic. C'est rare de les voir dans cette génération non touchée par le tuning. Et celle-ci est dans un bel état comme vous pouvez le constater. Et entre cet abominable BMW XM et l'insipide Cayenne, on a une Mercedes 190 SL, tranquillement, posée, qui nous offre sa planche de bord parmi les plus belles de la production automobile. Une incroyable allemande très ostentatoire, BMW 740i. Alors là, celle-ci, en bleu marine comme ça, en très bel état, avec un autocollant de la Nouvelle-Zélande et Corsica Ferry. Étonnant. Quoi qu'il en soit, une voiture d'une élégance impressionnante avec intérieur bois, cuir bleu très discret et ses jantes en nid d'abeille typique de BMW. Je suis conquis. Et au même étage, sa concurrente, Mercedes Classe S W126, ici dans une déclinaison assez simple puisqu'il s'agit d'une 260 SE, donc c'est un petit moteur. Pour autant, la combinaison rouge-bordeaux, pare-choc gris, et en joli vert plein comme ça, ça donne un certain charme. Et puis surtout l'intérieur en velours beige. Ça, c'est du plus bel effet sur cette classe S. Alors là, un trio. Premièrement, CLK 430 cabriolet bleu marine avec le V8. Superbe. Ensuite, Subaru Impreza. Version légèrement sportive parce qu'elle a l'aileron, les jantes dorées, gros pot, etc. Et puis
Une autre impresa qui personnellement je préfère, bleu marine, comme ça encore plus discrète, moins livrée rallye, mais pour autant de très très bon goût. Opel Astra de première génération avec des pare-chocs plastiques bien conservés et surtout ces quatre enjoliveurs. Ça tient presque du miracle de voir ce genre de choses et c'est bien sûr à Monaco qu'on peut le croiser. Vous avez le garage d'origine Cavallari bien sûr qui est aussi rappelé sur la lunette arrière. Bref, un exemplaire qui me fait craquer. Là, c'est sans aucun doute l'une de nos meilleures trouvailles. Ford Fiesta XR2, une petite GTI du début de l'ère des GTI. Elle est dans son très très bel état de conservation. Ici, en dessous du logo Fiesta, on a le garage d'origine à Menton. Donc c'est une voiture vraiment locale. Et puis voilà, hein, tous ces appendices rouges, noirs, autour des roues, ces liserés, ces jantes en alliage avec des trous comme ça, incroyable. Et puis, vous voyez que c'est une voiture qui participe à de nombreux rallyes. Un véhicule de passionnés qui nous a passionnés. Duo bien vintage, vieille Jaguar à gauche, marque quelque chose, mais je ne veux pas dire de bêtises. Et puis, Peugeot 204. Les deux, et bien entendu, très belles, très bien conservées. Et dans ce parking orange vif, ça ressort de manière sympathique. Alors là, nous avons une Renault 5 Super 5 TSE, une finition assez rare, haut de gamme, avec par exemple des jantes alu spécifiques, des liserés. Par contre, celle-ci, je pense qu'elle mixe une calandre de phase 2 avec la finition TSE de phase 1, et puis elle n'est pas en très bon état. Pour autant, il y a quand même un toit ouvrant ou une tentative de toit ouvrant, de très beaux sièges pétales en velours marron. Et puis, histoire de me faire plaisir, l'autocollant Super 5 plus 5 que la 5 d'époque. Donc dommage qu'elle soit en très mauvais état. Et visiblement, elle a été vendue ou en tout cas entretenue à ce petit garage. À côté de cette 550 Barchetta bâchée, une Alfa Romeo Spider dans un très très rare jaune. C'est ça qui a attiré mon attention. Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'en vois une. Bon, une fois qu'on est passé outre la surprise du jaune, eh bien on se rend compte qu'elle est absolument neuve. Voilà, il n'y a pas d'autre mot hein, pour le coup. Regardez l'état des rétroviseurs, des essuie-glaces. Je pense que c'est une voiture qui ne sert jamais. Même la capote dans un état neuf. Pourtant, c'est une italienne des années 90. Le verre n'est pas jauni. Enfin bref, c'est vraiment un exemplaire d'exception. Selon moi, la meilleure Ferrari de l'ère moderne. Alors je sais qu'il y a beaucoup de détracteurs, que c'est une voiture qui a été pas mal critiquée pour son design, mais je suis désolé, pour moi la F50 c'est la meilleure. Elle est hyper agressive, elle a un design des années 90 exceptionnel, elle a un V12 de Formule 1, une boîte manuelle, enfin bref c'est une voiture sans compromis. Et en voici une bâchée hélas au fond d'un parking. C'est ici que s'achève notre exploration des parkings monégasques. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit like, à vous abonner et puis à partager la vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres explorations. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt !